Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mission numéro 3 de la campagne The Four Horsemen. Mission un petit peu particulière. On est en scramble, comme on appelle ça. Concrètement, il y a un convoi vers là-bas, si je comprends bien. Oui, par là-bas. Qui a roulé sur une mine et qui est en galère de fou, et en plus ils se font attaquer par des insurgés. Donc on nous a réveillés en urgence ce matin très tôt pour aller les secourir. Notre mission, c'est d'escorter ce Chinook directement là-bas. On va clearer la zone et ensuite lui va atterrir et exfiltrer un maximum de personnes. Donc on appuie sur espace pour lancer la mission. On va en profiter pour faire les radios. Okay, Jim, I am checks complete. How's Billy doing? No idea, mate. I'm still waking up. I'll check on them now. 5-2, 5-1. Your plate's ready. All ready, Captain. Roger that. Le Chinook commence à s'allumer. Et des fois, c'est vraiment dur de les entendre. Ok, bon bah on va les attendre et après on va démarrer. Ok, il est prêt pour partir. Ok, lifting. C'est parti. Parti vers notre waypoint, donc j'ai étudié un petit peu le chemin. On doit aller jusqu'au waypoint 4. La mission se trouve, on est au waypoint 4, donc on a une petite route à faire. On va faire ça discrètement. Je vais couper sûrement la vidéo s'il se passe rien entre temps. Pour information, deux petites nouvelles choses, un nouveau micro sur mon casque ici. Je vais tester si la qualité du son est meilleure ou non. Et aussi, c'est une mission où on doit escorter un Chinook, ça tombe très bien parce qu'hier est sorti le nouvel appareil, le Chinook sur DCS. J'ai fait une petite vidéo de mon ressenti à chaud, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On va faire le chemin et puis on se retrouve dès qu'il y a un petit peu d'action. Ok, on commence à voir des traçantes au loin là-bas. Ça commence à friter fort là-bas. À mon avis, il va y avoir de quoi faire. Donc on va essayer de se rapprocher un peu plus parce que là, on est encore à 6 km du waypoint 3. Et je vous rappelle que c'est au waypoint 4 qu'on va. Il y a déjà des flammes. Il y a de la fumée là-bas, il y a des traçantes. À mon avis, on va y arriver. Contact.
freiner un peu. On va pas s'approcher trop, on sait pas trop ce qu'il y a. Il pourrait y avoir des manpads ou des choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'il voit notre ami? Est-ce qu'il voit déjà quelque chose? J'ai l'impression que mes gars sont au milieu. Je vais baisser un peu parce qu'il y a un missile qui est parti de ma droite. Je sais pas trop ce que c'était. Ok, je pense qu'on n'est pas trop mal et on est à distance normalement. Donc on va freiner. Oh, la lumière est fantastique. Et c'est parti, feu. Alors, vous pouvez voir sur le TAD si ça va toucher ou pas. Je vous rappelle qu'en bas à droite, vous avez les secondes qui impliquent quand est-ce que ça va toucher. En 2 secondes, 1 seconde, impact raté. On renvoie. Ok. Continue. C'est des espèces d'utilitaires qu'ils ont, des... Je pense que c'est des pick-up avec des mitraillettes dessus. Parfait. Suivant. Feu. Ok. Next. Est-ce qu'il en reste? Il en reste un dernier. Rifle. On attend que ça parte. Je parle pas tant, je suis concentré là pour tenir mon hover. Ok. Il en reste. Non, je pense que j'ai nettoyé. J'ai nettoyé le nord du conflit. Est-ce qu'il reste quelque chose au sud? Je descends un peu parce que je suis quand même assez haut. Je sais pas sur quoi il continue à tirer là-bas, j'avais rien vu d'autre. Je vois plus d'unités au sol. On engage un pick-up. Ça a touché. Là, je pense qu'on craint plus rien. On va faire un peu de sport. Hop. Voilà. Il en restait d'autres. Oh putain, il m'a fait peur. Alors c'est dommage, mon second n'annonce pas ses missiles, donc c'est toujours un peu effrayant. Ah, vous voyez directement dans le TAD ce qui se passe. Ok. On a fait le ménage au sud, mais il continue à tirer au nord. Je vais aller voir ça. Je suis pas sûr de ce qui se passe. J'avais plus aucune cible. On va s'arrêter ici. Ah, là, il en reste un. Keep shooting. Quoi? Est-ce qu'il a dit que ça a continué à arriver?
parce que dans le, auquel cas je suis très mal positionné, je vais me mettre très bas. Ok, alors attends 2 secondes, s'ils ont un mortar. Nord-East, ok. Alors je vais reprendre, je vais prendre un peu je vais m'éloigner un peu parce que là j'étais vraiment trop proche. C'était trop, j'avais pris un peu la confiance. Qu'est-ce que j'ai comme armement encore? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que 2 Hellfire. Ok. Ok, ok. Il me reste plus que 2 Hellfire. Donc on va essayer de faire ça au canon. Alors. Ok, ouais, ils se font mortar la gueule. Nord-Est, ça semble être bien par là-bas, mais je ne vois rien. Enfin, du moins... Genre, je ne vois rien. Je suis très haut. J'aime pas tant ça. Non, ça c'est mes potes. Ça cogne hein. Bon écoutez, on va y aller parce que je peux pas laisser mes potes se faire Ok, ça semble être bon. C'était très... C'était quand même un peu risqué ce que j'ai fait de me rapprocher comme ça, mais... Mais il fallait que je clear ça rapidement. Ok, on a demandé au Chinook de se rapprocher. On va garder à l'œil quand même. J'espère qu'il va pas y avoir de problème. À date, ça s'est pas mal passé. J'aimerais que ça continue comme ça. Alors peut-être que dans d'autres vidéos, ce sera moi qui piloterai un Chinook comme ça pour aller faire des extractions. Alors, ce qui m'ennuie un peu, c'est que je suis au milieu de nulle part là. Si je dois aller me cacher... pas fort ma situation. C'est pas une situation d'avenir comme on dit. Ok, la lumière est folle là. On garde à l'œil le Chinook, voir s'il se fait shooter par quelque chose. En vrai, encore une fois, j'ai aucune idée de ce que ce serait la procédure. Moi, officiellement, j'aurais tendance à m'éloigner pour aller me planquer. Mais bon, je suis mieux, à mon avis, de faire le bait, là, pour éviter que ça soit le Chinook qui prenne. En fait, faudrait que je fasse un peu, genre, bodyguard, là. Que je prenne sur moi s'il y a des tirs. Ça, c'est un de mes amis. Ok, il a réussi à se poser. Oh, ils m'ont fait peur. Je m'attendais à un message radio en mode « on se fait attaquer !» Ok, let's go, on se casse. Yes. 2-1 ugly, confirm, unless Widow still needs us. I'll check, stand by. De rien les amis, je ne fais que mon métier. RTB. Bon, ça s'est bien passé.
Ok, on approche de la base. Je pense que la mission est terminée. C'était quand même cool, rapide et cool. Le point était pas très loin. C'était très agréable. Ça évite les longs allers-retours. Puis c'était quand même rigolo de voyager en formation avec un Chinook. On s'en est pas trop mal sorti, même si on a pris quelques risques qu'on aurait pu éviter. Mais bon, bah, mes potes se faisaient bombarder la face à coups de mortard, donc je me devais de faire quelque chose rapidement. Mais c'était risqué. Mais le plus important, c'est qu'on soit ici. Donc on va voir comment le Chinook réagit, comment il va atterrir. Puis nous, on va voir aussi où est-ce qu'on atterrit. J'imagine qu'on va atterrir au spot 1. On va essayer de faire ça mieux que la dernière fois. Je vous rappelle que sur la dernière mission, à la fin, j'ai touché un peu trop le sol avec mes pales. je vous décris pas l'histoire là, mais c'était pas beau à voir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me commenter ce que vous pensez de cette mission. Franchement, c'était quand même pas si mal. Petite frappe synchronisée avec mon second. Moi, je tapais au nord, lui, il tapait au sud. C'était quand même bien cool. J'aurais peut-être dû faire un petit saut à la roquette pour le fun sur les camions, j'aurais pu. Mais bon, c'est pas grave. Ok, là, ce coup-ci, il prend pas ma place. La dernière fois, je devais me poster ici et lui, il s'était posté juste en plein milieu là. C'était un petit peu con. Hop. Alors c'est marrant, on n'a pas fait de checklist et tout. J'espère que ça va avoir fonctionné. Sinon, je vais devoir encore skipper la mission. Je pars du principe qu'on l'a réussi cette mission. On a aidé les mecs, on les a extraits. Ils nous ont dit qu'ils avaient plus besoin de nous. Donc je pense qu'on est quand même pas si mal. Alors, on s'applique. Je vais me taire et je vais m'appliquer parce que la dernière fois, j'avais trop pris la confiance. Mais j'étais dans un autre angle complètement éclaté aussi. À cause du Chinook. Hop. On y va doucement. Vous sentez la concentration là. That was some sorted. I reckon we've earned a full fat boy breakfast now, matey. Chelsea! There we are, my friend. I'll raise you to the cookhouse, buddy. Ok, bon bah c'est bon, ça s'est bien passé. J'ai l'impression que la mission a été un succès. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me... Ok, salut. Et voilà. Sur ce, je vous souhaitais une bonne fin de matinée, fin d'après-midi ou de soirée, ça dépend où vous êtes et quand vous êtes. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, ciao!